Salut à tous et à toutes, je suis Seros et bienvenue dans la suite de Prey. Dans l'épisode précédent, j'avais réussi à infiltrer le bureau d'Alex sans faire trop exprès, en grimpant sur un arbre et tout, c'était exceptionnel. Aujourd'hui, je vais donc devoir me retrouver dans les quartiers d'équipage ou éventuellement aller nettoyer cette serre de son occupant qui est assez désagréable, c'est-à-dire une énorme créature un peu hideuse. J'ai le mot de passe en plus pour entrer par la grande porte maintenant. J'adore mon jetpack, il est génial. Verrouiller les portes de serre, activer l'arrosage. Oh! Il y avait un gars que je devais trouver. Astuce de jardinier, le Julien Howard. Si j'arrive à trouver le Julien Howard en question. Il est au niveau 1. Alors. Ok. Je viens de comprendre comment on fait pour mettre des trucs dedans en fait. Ça a pris longtemps. Arrosage. Ah bah ça a poussé. Récolter le fruit une fois maturation, c'est dans 10 minutes. Et ça me sert à quoi? Wouh, il y a plein de fruits qui ont poussé partout. Déverrouiller les portes. Je vais utiliser... ferme à rayonnement ici. Oh merde, il est sorti carrément! Ok, scan est terminé. T'es sérieux, mec? Oh fuck you! Il a pas de tête! Combinaison endommagée. Ça s'arrêtera pas! Je vous en prie! Allez-vous-en! Il est mort là? Inconscient. Et. Ces deux personnes-là, leurs têtes ont explosé toutes seules! Le monstre, il est parti. Alors, sache qu'on peut soit les manger, soit faire... Il est où? Aïe! Putain, mais t'es sérieux? Il a pas l'air d'apprécier ce qui se passe. Oh boy. Ah punaise. Putain. Donc je vais faire la seule méthode que je connaisse. Il faut que j'aille chercher les échantillons vocaux dans le quartier d'équipage. Je vais aller au grand hall. Les supports de vue, je suis jamais allé. D'où est-ce que tu sens bien? Tu l'as? Tu l'as? Les éthérés font chier parce qu'ils courent vite. Ne pas communiquer à Weber. 22:55. Fuck, t'es sérieux, mec? Parlez-moi. Nous avons un dégâts, contact. Tout seul. Mais ils ont... Vous auriez dû tenir votre position dans la zone de fret. J'ai pas pu, chef. Je pouvais pas laisser ces gens.
Pouvez-vous rejoindre les modules d'évacuation ? Négatif. Les modules ne marchent plus, c'est comme s'ils étaient coincés sur place. Seuls 4 d'entre nous sont arrivés au système de support. 5. D'après le radar, Raymer est derrière vous. Négatif. Raymer. Raymer n'est plus Raymer, chef. C'est chose. Chef, l'ascenseur principal. Pas. On est coincé. Mon Dieu. Raymer. Raymer est ici. N'approche pas. Dick. N'approche pas. Dick. Erika, réponds. Non. Merde, je veux pas te pirater, moi. Je voulais juste le porter. Attends, on va le faire, vu que maintenant je suis coincé dedans. Ok, j'ai réussi. Génial. Voilà. Pourquoi les toilettes sont bloquées? Pour une raison obscure. Alors, il s'est passé quoi avec Raymer? Les attachés, je peux pas prendre? Sérieux là? Cumule, c'est tout! Mais je pas chier quoi. Il y a un coffre là-bas. Il y a des chances en fait que je puisse. Ah, mais il y a un robot à l'intérieur là. Je vais sauvegarder. Sélectionner mon pouvoir et attention, c'est parti mon kiki. Je ne peux pas passer, je suis beaucoup trop gros. Un petit mug en fait, ce serait sympa, mais j'en ai pas ici. Oh! Ah! Genre, j'ai réussi à passer quoi. Quoi, je peux pas prendre un neuromode? Ah bon? J'allais dire, y a un bug là en ce moment quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à récupérer les trucs normalement. Et j'ai réussi à passer ici, j'espère que... Voilà, j'ai réussi à passer d'un côté, j'espère que j'arrive à passer de l'autre côté. Hey! C'est moi, il a pété ma tourelle! Non, tourelle! C'est bon? Tu vas bien? Putain, je viens de te réparer, tourelle! C'est possible, ça. Pourquoi elle a été gluée de la tête, elle? Weber! Il y a une cache de matériel dans le hall, près des modules d'évacuation. Pas eu le temps d'organiser une livraison digne de ce nom. Une cache de matériel dans le hall, près des modules d'évacuation. D'accord. On va prendre la place de quoi pour faire ça? De la peau de banane qui est ici. Simplement. Ça c'est quoi, une étude cartouche à grande vitesse de... Ouh! Mais je garde ça, attends, t'es fou quoi. On va... J'ai énormément de bananes sur moi, hein, t'as vu? T'as vu le nombre de bananes que j'ai sur moi? C'est juste dingue. J'ai... Voilà! Non. Ah, je peux prendre des munitions par contre. Voilà. Weber s'est battu admirablement, je pense, ici. Et il a été abattu par ses propres alliés au passage. D'accord, en fait, je pouvais y accéder aussi à partir d'ici. J'avais envie. Et je ne peux pas accéder au panneau de maintenance d'ici. Dommage. Je suis venu ici sans aucune raison au passage, hein. C'est-à-dire que j'ai aucun objectif pour être ici. C'est juste de l'exploration pure et dure. Et là-bas, ça va où? Rejoindre la jeune de fret. D'accord. Eh ben, ça peut être sympa, la zone de fret, hein. Il peut avoir plein de trucs. Ok, d'accord. Je peux réparer ça. Éventuellement, entrer là-dedans. De façon, du mode. Il me faut un petit truc. Mais j'ai pas un petit objet quelque part.
boîte de conserve. Éventuellement. Non. C'est que ça, là. C'est pas assez grand, ça. C'est pas assez petit, je veux dire. Allez, répare ça vite. L'ingénieur a encore frappé. Penny Pennington. Récolter le fruit. Ah, le fruit est bon, là. Je peux retourner à l'arboretum pour aller récupérer le fruit. Récupérer le super fruit. D'accord. Je sais pas pourquoi j'ai fait un super fruit. Est-ce que si je le mange, je deviens fort? Ça va pas, toi? Wow! Pas bien, lui! Attends. Ouais, on peut y aller. Un hypopsie, ça fait toujours plaisir. Je peux aller là-bas si je veux. Je peux créer des trucs ici aussi. Il me faudrait plutôt l'autre, hein, le recycleur, en fait. La salle de stockage. La pirater, nope. J'ai pas un niveau 3. On va le scanner à travers la porte. Là, je pense que j'ai récupéré... J'ai récupéré, en fait, des aptitudes psy du style... de feu ou de trucs comme ça, tu vois. Un peu plus... Oh putain! Oh, ça grouille! On va partir d'ici. Je vais te fortifier aussi. Allez! What? What? On va se faire défoncer! Bon, il est presque mort! Ça va, tourelle? La tourelle se fait déf... Et laisse tomber, quoi. Je mange toutes mes bananes. Les bananes, c'est la vie dans le jeu. Ça va, tourelle? J'espère que ça va, hein. Je vais te mettre là, en fait. Par sécurité. Oh, putain. Non, pas de pot de banane sur moi, s'il te plaît, j'en ai pas besoin. Bouteille d'eau 2. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Vérifiez que les portes du module sont scellées et que le personnel est à bord. Est-ce que je peux partir? What? Oh oh. Ah! Saloperie! Ah! Ah! Vas-y, 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 scan. Terminé. Très bien. Crève. Nouvelle attitude. Fuck, plus rien. C'est bon, il est down. Motherfucker. Ouh, je peux avoir une critique avec ma clé, tu vois. Ça peut être cool. On va en tester un juste pour voir si ça fonctionne ou pas. Apparemment, ça devrait fonctionner. On prend celui-là. On va sauvegarder avant. Des fois que. Ce module d'évacuation souffre d'une défaillance. Le service d'ingénierie a été prévenu. Veuillez utiliser un autre module. Ça aurait été marrant, en fait, qu'ils auraient caché une fin dedans, tu sais. Du style, en fait, tu prends le module, t'en fais, ah, bon ben... Voilà, c'est par là, on va voir ce qu'il y a. Ce que je vois, c'est que j'ai un robot ingénieur corrompu qui... semble coincé, là. Ok, il était pas coincé, en fait, pas du tout, même.
Les gants de baseball. Elle devait jouer au baseball juste avant de mourir, je suppose. Fuck! Pas fini d'utiliser mon pouvoir sans faire exprès. Clic droit pour ça, c'était vraiment pas une bonne idée. Hein. Et très bien. Oh là là. Ah bah ça va où? Centrale électrique. Je vais devoir y revenir de toute façon, je pense, à un moment donné. Force physique 3. Ah, il y a des plaines de bêtes et tout. Nah. Bah écoutez, question exploration forcée. Ça c'est fait. Aïe. Marcher dans le feu aussi, ça c'est fait. On va donc reprendre l'ascenseur et aller effectivement au hall. Parce que c'est là où je devais aller à la base. Il faut que j'arrête en fait de me laisser distraire, franchement. Quoi, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi il y a la radioactivité et pourquoi il y a des nids de machin partout? Fuck. Feuille de personnage, c'est génial! Captain Elgarod. On va se mettre là. Ça. Est-ce que. Juste prendre. Oh merde. Tiens. Et ben voilà, je me sens bien ici. Et j'ai déverrouillé cette porte d'accès. Et maintenant... Pourquoi je peux réparer... Ah non, je peux réparer un truc derrière en fait qui est pété. C'est une petite tourelle. Récupérer ça. Charge cyclante, allez go. Ça le tue pas hein. Ah, ah, ah non. Non, 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 non. Putain, les gars, les gars, les gars. Les gars, les gars, les gars, les gars, les gars. On se calme déjà. Putain. Ok, 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 ok. Charge recyclante, charge IEM, charge d'émetteur zéro. Attention. Allez, ralenti, ralenti. Putain, mais c'est pas possible. Heureusement que j'ai une tonne de bananes, hein. Attends, attends, attends. Ah, je sais, je vais utiliser mon pouvoir psy, je suis bête. On va utiliser leur... On va prendre un contre eux. Fuck. S'ils arrêtent d'éviter, si c'est possible. Ah, c'est bon. Je ne suis qu'un seul là par contre, hein. Je sais pas où est l'autre. Salut toi. Inspection en cours. Votre combinaison est endommagée. Je vais la réparer. Examen. Merci beaucoup. Il y en avait deux. Je sais pas du tout où il est. Je suppose que je ne saurais pas. Oh non. Putain. C'est là-dedans que je dois aller en fait. Voilà. Dommage, il s'est fait défoncer. J'ai pas une carte pour entrer là-dedans.
avoir un autre moyen. Un opérateur du département psychotronique fait une ronde de nettoyage toutes les heures. Son parcours nécessite d'ouvrir une porte verrouillée pour passer par la morgue. Opérateur ingénieur Transstar Cobalt 410, prêt au déploiement. Veuillez vous éloigner de l'ouverture. Il est où ? Je l'ai entendu, mais je sais pas où il est. Parce qu'il y a des chances en fait que le petit gars qu'on a vu se faire défoncer là, son but c'était justement de rentrer dans la morgue en fait, tu vois. Donc on va le suivre. Il y a des chances qu'il ouvre la morgue en fait. Et oui. Attention. Ok, on est dedans. Est-ce qu'il y a des mimiques ici ? Non, il n'y en a pas. Il avait une banane, ok. J'ai Bellamy, c'est lui ! Docteur Bellamy ! C'est la première fois qu'un typhoon s'échappe. C'est déjà arrivé. Un peu avant vos premiers tests de neuromode. Alex et vous, vous vous êtes disputés sur la pertinence de mener le projet à bien. Ou d'évacuer. Mais Alex a juré qu'il maîtrisait la situation. C'est à ce moment-là que vous avez commencé à prendre des mesures en secret. À cacher le schéma de votre clé d'armement, les vidéos, le protocole January. Et vos doutes étaient fondés. J'ai enfin réussi cet objectif, les amis. Ça m'a pris 30 000 épisodes pour y arriver. Et nous sommes enfin arrivés à faire ça. Nous avons récupéré la clé sur le corps de Bellamy. OMG. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez apprécié cette petite aventure en ma compagnie. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Quant à vous, je vous retrouve donc dans le prochain épisode. C'est Ross, out.